Soyons bénis, peuple de Dieu. Je suis Karine Guéhi, je suis responsable de la communication à la MEREPSI. La MEREPSI, c'est la mission évangélique de résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Chers frères, chers sœurs, chers Ivoiriens, en ce grand jour, il y a un événement qui se prépare ici à la mission. Cet événement intitulé Côte d'Ivoire, ouvre ton cœur à Jésus. Et cet événement commémore le 10e anniversaire de la mission évangélique de résurrection et de bénédiction. Et donc, je vous invite ce matin à cette cérémonie. Cette cérémonie aura lieu les 28, 29 et 30 décembre, ici à Yopougon, sur le terrain de Corette. Et le 1er et 2 décembre, voilà, au stade BAE de Yopougon, tous les grands hommes de Dieu sont invités. Avec à la tête l'orateur principal, l'évêque Albert Kakenza du Congo. Vous voyez? Et vous avez ici aussi l'apôtre Nadje Albert de l'Afrique du Sud et l'apôtre Fandor Steven de l'Afrique du Sud également. Et là, l'autre, c'est Maman Ziaou. Maman Ziaou, c'est la responsable de la MEREPSI, comme je disais, la mission évangélique de résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, vous êtes invités à ce grand événement. Soyons présents, cet événement n'est pas à rater. Soyons présents pour recevoir notre bénédiction. Nous sommes bénis.